Il a dit, ça on ne doit pas faire, frapper l'enfant comme ça. Et pourquoi est-elle toujours frappée comme ça? Là, j'avais quel âge? J'avais donc là 17 ou 18 ans là. Il m'a tellement frappée que j'ai eu carrément des marques là, toutes comme grosses, comme le doigt au cul et derrière là, il y a un cancard là, parce qu'il ne m'aimait pas. Elle voulait rejeter la faute sur moi, l'infirmière chef. Puis ils m'ont là-dedans. Demi-ration, j'ai eu rien à lire, j'avais. J'ai pleuré, j'ai gémi, puis j'ai dit, elle n'avait absolument aucune pitié celle-là. 8 jours, elle m'a laissé dedans, 8 jours. Après, elle m'a dehors, laissé sortir. C'était une... Mon Dieu! Mon Dieu! C'était aussi une sacrée. Là, on est allé au service 9. C'était un service très libre, là. On allait se promener, enfin. Ils regardaient tout d'en haut, de loin, interdiction de se retrouver. Ils regardaient toujours en bas. En fait, eux n'avaient pas du tout le droit d'aller se promener, seulement nous. Devant le service des hommes, on faisait toujours la parade. C'était déjà ça! Mon biquet, c'était un moment, enfin toute une vie. Comme toute ma vie, j'ai été sous les verrous. Et nous chantions sans arrêt. Nous sommes sous les verrous. Non. Mon cœur amer, il pleure de dégoût. Parce que nous sommes sous les verrous. Oui, et ça bien sûr. Les gens, ils regardaient toujours vers le haut. Comme nous, on le faisait chaque fois exprès qu'ils entendent les gens, qu'on était barricadés là. Notre cœur amer, il pleure de dégoût. Parce que nous sommes sous les verrous. Oh. Là, j'étais heureuse d'être une personne libre. Une personne libre, j'étais. Là. Le plus beau, c'était le cinéma. Tu sais pourquoi? Parce que de toute ma vie, je n'avais pas encore vu un cinéma de l'intérieur. Tu le crois ou tu ne le crois pas?